Bienvenue dans Microsoft Excel, nous dans leçon 19B. Côté que je dis, on a continué ça avec le Pivot Table. Dans la dernière leçon, nous avons travaillé sur le Pivot Table, côté que nous avons créé information pour l'inciter à combien de moins fait. Ok, d'après des spreadsheets, ça, moi, d'après spreadsheets, ça, nous avons créé Pivot Table, côté nous capable de information. Par exemple, moi, je viens là, dans la zone ça, là, moi, capable de choisir toute cité, ok? Ou bien si je voulais, je suis capable de choisir individuellement. Par exemple, je dis Miami et puis je clique OK. Je vais avoir information Miami seulement. Ou bien je choisis tout en seul coup. Je vais avoir toute information. Mais là, je suis capable de faire là tout. Je suis capable de mettre en load. Pour moi, qui est-ce qui vient avant, regardez, ouais. Le mettre en load. Je vais avoir Boynton Beach, Chicago, Jupiter, d'après l'ordre alphabétique. Si je voulais, je suis capable de changer le mettre en dans l'ordre alphabétique, je vais mettre pour la lettre qui vient en dernier pour paraître avant. Par exemple, il y a W pour WPB ou bien West Palm Beach qui paraît avant. Vous pouvez jouer avec le console changer. OK. Ça, c'est ça que nous avons fait. Comme ça, tous, si nous avons mis nos techniciens, nous pouvons mettre les techniciens là. OK. Ou bien nous avons retiré les techniciens. Ou bien tout, nous, par exemple, ou bien nous pouvons mettre les services, qui y a des services nous fait. Nous allons prendre service à nous mettre là pour nous. Nous te dit nous parlons de style ça. Ou capable jouer pour montrer qui est capable jouer avec Pivot Table. OK? Si vous mettez technicien, capable prendre technicien, mettez l'embouille dans le filtre. OK? Ou mettez technicien dans le filtre. OK? Là, mettez dans le filtre qu'on a vu un technicien. Ça me démontre que nous, on va cliquer sur petit flèche ça là dans le filtre. On est capable de choisir technicien. Yo. Par exemple, on clique sur ça, on option pour me choisir individuellement. OK? On select multiple items. Je choisis le qu'on y a là, je clique, je retire select là, select all là, je mets, je dis, je choisis Carlo, pour me dire qui travaille Carlo fait, dans qui zone, et puis combien de cobre il fait. C'est comme ça qu'on va contrôler l'employé, ou bien comparer, ou bien on branche la compagnie, d'après des responsabilités côté bail. Ou bien tout, qui doit son l'église, tout, qui doit bail mon yo, pour ramasser l'argent, et pour capable contrôler un enfant de résident qui monte, ou bien qui département qui fait plus l'argent. OK, qu'on a mapé sur tout. OK, nous avons pu vite bon, nous faire tout ça là dans la leçon 19A, dans la leçon 19B, qui ça qu'on capable faire. Une autre bagarre nous capable faire, nous capable utiliser ça relo pivot table en slicer. Qui ça slicer? Slicer c'est même bien avec un filtre. Par exemple, moi viens là, moi choisis le filtre ça moi dois choisir toute zone yo ou bien choisir une. OK, comme nous voyons. Pour nous mettre slicer, on clique n'importe côté dans le pivot table. Et puis, on clique sur Insert. Et puis, on aller dans Slicer. On est là, on clique sur Slicer. Et puis, dans Slicer, nous avons plusieurs options que nous sommes capables de choisir. Dans la boîte ça qui paraît là, moi-même, ça m'a fait, m'a choisi City. Parce que j'ai besoin d'informations de City. Là, OK? On clique sur City. Et puis, on dit OK. Quand on a une boîte ça là qui Slicer, là, OK? Quand on a là, libre m'information pour ce site, mais si je voulais seulement pour Boynton Beach, ok, pour Boynton, je clique sur Boynton, libre m'information pour Boynton. Si ou bien si je voulais pour les coiffes seulement, libre pour les coiffes, ouais, le change chaque fois choisir le, ok, ou bien si vous voulez capable choisir tout net, pour choisir tout, ou capable venir pour bon opportunité pour choisir tout, ou capable venir là, ou bien plus que une, ou venir là, ou cliquer sur signe ça, ok, et puis si on fait, on choisir. Quand on a choisi Boynton, on choisit Chicago, ouais, on peut choisir tout, ou bien plusieurs. OK? Ça, il slice, on peut utiliser slicer pour mettre l'ampivité bon, pour capable faire filtre tout. Comme on dit, non, filtre, c'est chercher, lier d'eau, faire même bagarre, l'op choisir individuellement, ou bien plusieurs items, ou bien plusieurs entités. OK. Nous gagnons ça, qui ça qu'on est capable de faire? Les noirs, les lines, la grosse, nous avons besoin de montrer, nous sommes capables de mettre ça au pivot table chart. Dans le pivot table chart là, ou bien on bar graph, ou bien on graph, c'est même déjà avec le son noté fait de parler de graph, côté que nous te présente information, nous te présente information avec graph, graphique, nous sommes capables de faire pour même pivot table en tout, ok? Là, si nous mettons graph là, la présenter pivot table, ok? Ça l'a fait. On nous parle insert, et puis nous sommes capables de parler graph là, ou bien, ok? On clique là, dans le graphe, nous cliquons sur Pivot Table encore. Nous pouvons parler de graphe là ou bien nous mettons Pivot Table Chart si nous voulons. Moi, je clique sur ça. Je clique sur graphe ça ou là ou bien choisir une là.
Okay? Encore qu'à choisir, n'est pas sauvé. On dit, m'a choisi ça. Ok? Moi, gain information là. Gardez pour elle. Moi, gain premièrement technicien. Ok? Moi, capable de choisir. Graphe l'appareil. Je vais montrer nos graphes l'appareil. Les gain bon pour tout technicien. Et puis, mais comme nous fait. Ok? En total. En outre, m'a choisi un seul. Excusez. M'a choisi un seul technicien. Ok? M'a choisi Carlo seulement. Gardez pour elle. Ok? Les bonnes informations. Il bon, information pour Carlo, mais qui zone Carlo travaille, et puis, mais combien de Carlo fait, d'après zone, yo. OK? Ah. Ou bien, tout sim, tout zone, on nous dit seulement, moi, je voulais, ouais, pour West Palm Beach seulement, tout WPB. Moi, je vais lancer là. Moi, je vais retirer, un check mark là, dans tout, et puis, je choisis une. Je choisis une, je clique OK. On est à la liban pour une seule information. Vous êtes capable de jouer avec elle parce que Microsoft Excel est vraiment belle et important. Et si vous voulez apprendre, comme moi dis, nous sommes capables de faire des grandes choses. En nous disant, je vais faire pour deux côtés, mais pour les couvrir tout. Vous êtes capable de faire tout. Pour ça, nous souvenir comparer deux zones. Quand on a deux zones, on dit, OK, les couvrir me fait moins. Moi, je dis, OK, d'après, me fait moins dans les couvrir, je dois focus dans les couvrir. On dit, j'en plus, ou bien, je focus dans West Palm Beach pour continuer. J'habite la marché dans la zone West Palm Beach. OK? C'est qu'on soit capable de jouer avec Microsoft Excel. Par exemple, nous disons, si nous avons un changement, si nous avons un changement, nous avons mis n'importe zone là, nous avons retiré n'importe information là, la préflecter dans Pivot Table. OK? La préflecter là-dedans. Moi, je souhaite vous apprendre ces fins leçons là, et côté que moi, montre qu'on va être capable de travailler avec Pivot Table, qui plusieurs bagages capable de faire avec lui, pour capable présenter information. Côté qui montre qu'on est capable de présenter information en numéro, comme nous faisons la publicité bois, et nous sommes capables d'utiliser les slicers, côté qui pour nous utiliser comme un filtre, ok? Ou bien nous utiliser graphique tout, ok? Nous utiliser graphe pour nous capables de présenter information dans publicité bois, ok? Encore, merci. Comme bon, nous sommes capables de changer graphe là tout si nous voulons d'après, ok? Nous sommes capables de changer. OK, même on a noté fait dans la leçon avant, nous capable changer pour nous montrer l'information. OK. C'est tout, on apprend encore et puis merci de ce que nous t'avons suivi.